Alors, concernant l'enchaînement des tefilotes, vous savez donc que on a expliqué donc déjà plusieurs fois que de Baruch Shehamar jusqu'à Ishtabar, on n'avait pas le droit de s'interrompre, d'aucune façon. Mais également, les Rahamim disent que quand on a terminé Ishtabar, on ne doit pas s'interrompre, on doit commencer tout de suite. On doit commencer tout de suite le Yotzer. D'accord? Pourquoi c'est. Où est-ce qu'on voit que c'est tellement important? On voit que le minhag de faire Ishtabar debout, normalement, logiquement, c'est celui qui lit les psukim des Imra. D'accord? Et c'est pas lui qui fait Khazan. Normalement, le Khazan, il devrait commencer à partir de quel moment? Il devait commencer à partir du Kaddish, puisqu'on a dit que Ishtabar, c'est la dernière bracha de ce qu'a, de ce qu'a, c'est la suite de Baruch Shamar. Alors pourquoi on arrête avant Ishtabar et le Khazan, il commence à Ishtabar? C'est pas logique. Et mais tout ça, c'est pour ne pas qu'il y ait d'interruption entre la fin de Ishtabar et le Kaddish, qu'on dit tout de suite, et le Yotzer. Alors je vais essayer de donner une petite notion, parce qu'elle va nous servir dans un instant, vraiment, on fait que survoler, parce que. Voilà, on ne peut pas l'expliquer jusqu'au bout, en tout cas pas ici, pas maintenant. De façon générale, quand dans la tefila il y a un kaddish, maintenant je ne parle pas de kaddish yatom ou kaddish. Quel type de kaddish je parle? Un kaddish en général. D'accord? À quoi il sert le kaddish? Pourquoi est-ce qu'après Ishtabar, avant Baruch, il y a un kaddish? Pourquoi après la Amida et après Tachanoun, il y a un kaddish? D'accord? Pourquoi il y a un kaddish avant Odou? Chaque kaddish, il a une place et il a une raison d'être. Et il a une raison d'être à l'endroit dans lequel il se trouve. D'accord? Prenons un exemple. Quand on termine Gaal Israël le matin, on ne dit pas kaddish. Pourquoi? Parce qu'on est sommaire, Geoula Litfila. Ça, c'est encore un autre inyan. On ne doit pas faire d'interruption entre Geoula et entre Tfila. D'accord? Quand on fait Arvit, on est lancé dans Arvit. On fait les brachot du Kriyat Shema avant, les brachot du Kriyat Shema après. Ma pitom, on s'arrête au milieu avant de commencer l'Amida pour faire un Kaddish. Ok? Je vais vous donner l'exemple d'Arvit parce que c'est le plus facile à comprendre. Et de là, on va essayer de comprendre les autres. Les Chachamim, ils ont dit, hein, pour ne pas que les gens y croient, que de la même manière que le schéma, il est Midoraita, le Arvit, on aurait pu croire que la Amida, elle est aussi Midoraita. Ils ont fait une séparation pour montrer qu'il y a le schéma, ça c'est Midoraita. Et mis des Rabbanan, on a rajouté une tfila qui s'appelle Arvit. Vous voyez, comme il y a un kaddish au milieu, vous voyez bien que les deux ils sont séparés. Et on voit que le kaddish, souvent, hein, sa fonction, c'est aussi de séparer les choses. Ok? Alors par exemple là, on sépare. Qu'est-ce qu'on sépare? On sépare les olamot. Vous savez qu'il y a olam Asiya, il y a olam Yetira. Dans la tfila, il y a toutes sortes de olamot. Ok? Avant de commencer le yotzer, on fait un kaddish pour montrer que de psouké des imra à Brachot du Kriyat Shema, on passe dans une autre catégorie. Pareil, quand on termine Tachanoun, okay, on fait un Kaddish avant de commencer ce qu'on appelle Kdusha des Sidra, le Houvalitiyon avec Kadosh Kadosh, pour bien montrer que la Amida, c'est la Amida avec le Kriyat Shema, et après Kdusha des Sidra, c'est encore autre chose. Bref, un résultat. Le Kaddish qu'on dit entre Ishtabar et Barichou, il a une raison d'être très particulière. Mais on voit que dans tous les poskim, en dehors de ce Efsek-là, on n'a pas droit, les Khatrila a priori, de faire un autre Efsek. Donc on demande au Shaliar Tzibour de monter à Ishtabar, de façon à ce que dès qu'il termine Ishtabar, on ne perd pas le temps que le Khazan doit venir, ou qu'on doit dire tiens, qui c'est qui va faire Khazan, etc. Hop, on enchaîne tout de suite avec Barichou, sauf qu'au milieu il y a le Kaddish pour les raisons qu'on a expliquées. C'est bon? C'est clair? Très bien. Alors maintenant, après, il y a des cas qui se posent. Imaginons que dans une choule, on arrive à la fin de Asia Shir Moshe, ok, et on n'est pas minyan. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre le minyan. À quel moment il vaut mieux attendre le minyan? Est-ce qu'il vaut mieux attendre le minyan avant Ishtabar? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le minyan après Ishtabar? Alors, d'un côté, c'est mieux avant Ishtabar, pourquoi? À cause de ce qu'on a expliqué, pour ne pas qu'après Ishtabar, qu'il y ait un Efsek, et on commence tout de suite le Yotzer. Ok, il n'y a pas de problème, c'est mieux, vous avez raison. Mais, attention, entre Baruch Shehamar et Ishtabar, il ne faut pas qu'il y ait la moindre interruption.
Donc ça veut dire que quoi ? Que on attend avant Ishtabar, on croise les bras et on attend. On lui demande, il dit ok, imaginons que les gens qui sont là, ils n'ont pas envie de perdre du temps, ils ont envie d'étudier la Torah. Quand est-ce qu'il vaut mieux étudier la Torah ? Avant Ishtabar ou après Ishtabar ? Alors pour les Yechidim, pour les gens qui sont là, vadaï que c'est mieux de finir Ishtabar et d'étudier. Pourquoi ? Parce que les Dvar Mitzvah, on dit que c'est pas un F-Sec. Ou alors c'est un F-Sec et moutard. Par exemple, si quelqu'un vient ramasser la Tzedaka, ok, il vaut mieux lui dire attends, on lui fait signe, il attend la fin de Ishtabar, et après Ishtabar, on s'arrête, et on lui donne de la Tzedaka. Et même le Gabay, quelqu'un qui est dans la Tfila, il a le droit de ramasser pour les autres, entre Ishtabar, etc. Quelqu'un qui n'a pas mis les Talit et les Tfilin, entre Ishtabar et Barichou et le Kaddish, il a le droit parce que, encore une fois, c'est Dvar Mitzvah. Le problème, c'est le Chazan. Pourquoi ? Parce que le Chazan, lui, il ne doit pas faire l'interruption entre Ishtabar et le Kaddish qui suit. D'accord ? Alors, les Maasés, ce qu'il vaut mieux faire, c'est la chose suivante, c'est que il vaut mieux terminer Ishtabar. Celui qui doit faire Chazan, s'il peut, il vaut mieux qu'il ne s'interrompe pas, même pas en sortant les mots de sa bouche, il écoute la Torah, ou alors il lit dans un Sefer. Maintenant, si jamais il a pas fait attention, alors il dit que c'est bien de redire deux psukim, des psukim des Imra, deux ou trois psukim, et après d'enchaîner avec le Kaddish. Mais je voulais par là vous faire comprendre l'importance qu'il y avait à ne pas s'interrompre entre Kaddish, entre la fin de Ishtabar et le Kaddish qui suit. Autre question intéressante, est-ce que le Kaddish à l'Israël, qu'on dit avant Odou, est-ce qu'on a le droit de le déplacer ? C'est quoi de le déplacer ? Qu'est-ce qu'on fait dans beaucoup de Beth Knesiot ? Voilà, on attend. Alors, quand il n'y a pas Minyan, il n'y a pas Minyan, M à la saute. Il y a une heure, on ne veut pas être maître l'outil. Bon, on commence Odou. Bon, quand le Minyan il arrive, on va faire le Kaddish. Je ne rentre pas dans le nocé. Est-ce qu'on a le droit de faire Kaddish à l'Israël entre Baruch Amar et Ishtabar ? D'accord ? Maintenant, ma question, c'est est-ce que j'ai le droit de faire le Kaddish à l'Israël avant Baruch Shamar et après Odou ? Alors, sachez, encore une fois, par rapport à ce qu'on a expliqué, que c'est très important, le Kaddish à l'Israël, de le dire avant Odou. Et pourquoi de le dire avant Odou ? Parce que il y a une raison, écoutez le paradoxe, il y a une raison, Al-Kabbalah, très importante, de ne pas faire l'interruption entre les Korbanot. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le Korban Tamid, on fait Ezeoume Koman, etc. Et tout de suite de dire les psukim de Odou. Il y avait même dans des communautés où à Mincha, après le Ketoret, il disait aussi une partie de Odou. D'accord ? Maintenant, pour ne pas que les gens se trompent et croient que les Korbanot et Odou, c'est la même partie, c'est le même Olam, comme on a expliqué, alors ils ont institué les Khamim comme un Kaddish entre la fin des Korbanot et le début de Odou, pour bien faire la différence. Vous avez compris ? Donc résultat, d'un côté c'est important que Odou soit collé au Korbanot, mais pour ne pas créer des confusions, c'est important de faire un Kaddish entre les Korbanot et Odou. Résultat, c'est pas sûr, c'est pas évident qu'on puisse prendre ce Kaddish, le déplacer à un autre moment. Vous avez compris le problème ? Ah, ça c'est un autre problème, on verra plus tard. Non, il n'y a pas marqué, il ne faut pas être mafsik. Il n'y a pas marqué, il ne faut pas être mafsik. D'accord ? Mais quand on dit les choses de façon continue, là, d'Afka, il faut faire un F-Sec avec le Kaddish pour ne pas qu'il y ait de confusion. Surtout que la confusion, elle est valable que par rapport au Tsibourou. Bref, maintenant, donc c'est marqué, il y en a qui disent, surtout, il ne faut pas bouger le Kaddish. Si Aminian, on fait Kaddish, tant pis, on n'attend pas les retardataires, etc. Après, il fait une petite polémique et il dit, bon, le Kaddish, on le dit d'Afka quand il y a Aminian, pourquoi ? Parce que comme c'est la Kedusha, et il y a un Inyan de Berovam, que le maximum de gens qui répondent Amen, Yeshemé, Rabba, parce qu'on est Mekabel, le Ol Malchut, etc., etc. Donc il y en a qui vont dire non, au contraire, si tu peux dire le Kaddish avec plus de monde, donc c'est beaucoup mieux. Donc ce mieux-là, il vaut par rapport à ton F-Sec que tu voulais faire entre les Korbanot et Odou. D'accord ? Alors, ça reste un petit peu une polémique. La plupart des poskim disent que, étant donné encore une fois que c'est l'idvar mitzvah, ah non, parce qu'après, il y a une autre question, il dit, mais si celui qui est en retard, il est en retard à la tfila, c'est une pchia d'être en retard à la tfila, alors quand on va le récompenser, on va l'attendre. Alors il est possédé avec la reine, il dit non, être en retard à la tfila, c'est pas une pchia. Comme ça, il ramène.
jusqu'à Baruch Shem, hein. Non, je plaisante, c'est moi qui rajoute. Non, mais c'est manière, c'est-à-dire qu'on ne punit pas, hein, on pénalise pas celui qui est en retard à la tfila. Mais qu'il soit, il ramène que son père, il était de Noël, enfin, il a ramené beaucoup... Non, il était Noël il a beaucoup parlé de ça, etc. Mais qu'il soit, il conclut en disant que les Maasés, on est Noël d'attendre qu'il y ait plus de monde pour dire Kaddish, qu'il y a, oui, il y a Inyan, qu'il y ait plus de monde qui soit là pour écouter le Kaddish, et qu'avant Romer pour dire le Kaddish. Mais je voulais que vous compreniez que c'est pas évident, et que, en fait, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, dans la Tefila, chaque chose, elle a une place, et c'est très important de respecter le CDR de la Tefila depuis le début jusqu'à la fin. Et chaque chose, il est là par rapport à ce qui précède et par rapport à ce qui suit. Voilà, Mincha, 16h40.